la culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps. C'est cette profession de foi qui a inspiré le programme de la 12e édition du Festival de la culture soufie de Fès, la capitale spirituelle du Maroc et berceau de la manifestation. Du 19 au 26 octobre 2019, les plus belles voix du chant polyphonique sacré, le Sama, la musique arabo-andalouse, les œuvres mystiques et poétiques des grandes figures du soufisme comme Rabia al-Adawiya, al-Shushtari, Jalaleddin Rumi ou Ibn Arabi ont transporté le public et les adeptes des confréries soufis venues du Maroc et de l'étranger. Soufisme et humanisme, mais aussi politique et religion, spiritualité et non-violence, dialogue ou choc des civilisations. Autant de thèmes qui ont alimenté les tables rondes du festival, avec des participants venus des quatre coins du monde pour partager, voire confronter, leurs analyses et leurs expériences sur le terrain. Si nous avons l'occasion d'avoir cette tradition de nous rencontrer en ouverture du Festival de la culture soufie, avant que nous ne soyons tous ensemble pour partager des moments d'émotion artistique et spirituelle lors du concert, eh bien c'est parce que, en réalité, la culture soufie s'exprime à travers des aspects et des manifestations multiples qui sont à la fois intellectuelles, artistiques, mais aussi qui concernent tout simplement l'art de vivre, la culture en général, la poésie, la littérature, la philosophie et puis les valeurs. Vous savez, on trouve cette culture soufie aussi bien en Chine que dans le subcontinent indien, que dans le Maghreb, que dans l'Afrique, que dans l'Europe centrale, que dans l'Asie centrale et ainsi de suite. Il s'agit là d'un patrimoine, d'une richesse, d'une diversité absolument extraordinaire. Et le fait même de mobiliser cette ressource culturelle est d'une force considérable, parce que ça ne concerne pas quelques intellectuels qui veulent prouver que l'islam est tolérant et ainsi de suite. Il s'agit simplement de faire revivre et de donner surtout à percevoir ce qui existe déjà de cette culture-là et de ces valeurs qui sont des valeurs d'universalité, mais aussi de reconnaissance de l'ensemble, encore une fois, des religions. On n'invente rien, c'est quelque chose qui a toujours existé au cœur de l'islam et du soufisme. « Adin ubi din il-hubbi anna tawajjaa talaka ibuhu » Comme disait Ibn Arabi, je professe la religion de l'amour et en quelques directions que se tournent ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. Et ça, c'est pas simplement Ibn Arabi, mais c'est dans le cœur, encore une fois, de cette culture spirituelle. Bienvenue dans la capitale spirituelle du Maroc qui accueille cette année sa 12e édition du Festival de Fès de la culture soufie sous le thème « La culture soufie, un humanisme spirituel pour notre temps ». Ici, aujourd'hui, la rose a éclos. Sur les branches, les rossignols chantent. Et ceux assis là, sous les branches, sont épris d'amour. Dans les jardins et ses allées poussent de nombreuses fleurs parfumées. Al-Shushtari, le meilleur des troubadours, nous comble de son amour aux mille saveurs. Le fait d'être né à Murcia m'a permis de me rapprocher de la tradition d'Ibn Arabi et de ce que cela signifie pour le monde de la culture, pour le monde oriental, pour la philosophie et la poésie. Et évidemment, je considère que le soufisme est l'une des solutions possibles pour une meilleure compréhension entre les hommes. Parce que la tolérance est quelque chose de fondamental et qui ressort de la poésie et de la philosophie d'Ibn Arabi. Nous vivons dans un moment compliqué, un moment où, face au fondamentalisme, nous comprenons que la philosophie d'Ibn Arabi et d'Al-Shushtari nous rend meilleurs. La philosophie soufie, par ses philosophes et ses poètes, nous aide à comprendre que la vie, il faut la voir comme une formidable opportunité, parce que l'on soit espagnol ou arabe,
Nous sommes tous frères. Cantando, igual que vino, igual que vino, se fue. Sidi Fouzi voulait parler de ce rapprochement de Dieu. Parce que prier, c'est se rapprocher de Dieu. C'est une prière, c'est une responsabilité qui est verticale. Elle veut dire que nous avons aussi une responsabilité et une autre prière qui est horizontale. Moulay Abdallah a soulevé quelque chose au sujet de l'horizontalité et de la verticalité. Et comme Monseigneur a dit, on prie comme on respire. Donc moi, j'ai toujours respiré et prié en même temps. Je prie partout, sans le savoir. Surtout dans ma voiture, c'est drôle. Hein, je suis seule, je prie. Au sujet de l'horizontalité, j'ai jamais su ça. Quand vous avez parlé de générosité, de partage. Donc, en hébreu, on dit des mitzvot. C'est-à-dire, quand on est dans la rue, un mendiant, j'ai toujours de la monnaie prête. Donc, c'est ça. En tant que musulman et arabe et français, le fait d'entendre chanter le Notre Père en arabe, ça m'a beaucoup touché. Et le fait d'avoir entendu nos deux frères chrétiens présenter le message de Jésus de la sorte, ça m'a guéri des douleurs du colonialisme, quand le christianisme était présenté comme la religion de l'envahisseur. Je suis né justement dans la province d'Almeria, dans un bled qui s'appelle Beled Rubio, Beled El Hamar. C'est-à-dire que j'ai des origines qui ont été musulmans pendant des siècles, jusqu'à le siècle 15e. Alors, je peux vivre dans ma personne la culture européenne à travers l'Espagne, la culture latino-américaine et la culture arabo-musulmane à cause du Maroc. Comme on sait, les confréries soufis sont un chemin spirituel vers la connaissance, vers le sacré. Elles sont toutes issues du messager de Dieu, prière et salut sur lui. Et toutes, elles sollicitent du messager de Dieu le bénéfice de son immense rayonnement et de son aura. Des oiseaux, une farine, la farine, la sahara.
Le derviche à longue barbe. Pour cette 12e édition du Festival de Fès de la culture soufie, nous avons voulu laisser la part belle au patrimoine soufi, en le considérant justement comme un patrimoine immatériel de l'humanité. Et nous avons travaillé sur les grands textes des soufis. Alors nous sommes partis de l'Andalousie avec Al-Shushtari, donc grand soufi andalou du XIIIe siècle. Et chemin faisant, passant par le Maroc, l'Égypte, en fait, suivant un petit peu le trajet de vie d'Al-Shushtari, nous sommes allés jusqu'en Perse, jusqu'en Turquie. Donc, nous avons pioché dans les beaux textes de Fariduddin Attar ou de Rumi. La voix soufie, comme d'autres voix, est une voix qui nous permet... de puiser en nous de belles choses, de belles paroles, de bonnes actions, d'être dans l'équilibre. Donc toutes ces belles valeurs aident déjà l'être à être en paix à l'intérieur de lui, mais aussi à l'extérieur de lui-même. Une manifestation comme celle-ci, eh bien, elle touche beaucoup de personnes parce que ça leur dit quelque chose par rapport à leur propre vécu de l'islam, à ce qu'ils ont reçu des générations passées, à cet islam des valeurs, encore une fois, de spiritualité et d'ouverture. Et c'est la seule réponse que l'on peut apporter, c'est cette lumière devant cette obscurité et ne pas rentrer dans des polémiques où, en réalité, il n'y a pas de sens possible. Nous ne parlons pas d'idéologie, nous parlons d'art, nous parlons de poésie, nous parlons de philosophie, nous parlons de rencontres, nous parlons d'échanges. Théophile de Valensbourg écrit et compose. Son cheminement spirituel l'inspire et le guide sur la voie d'une sagesse universelle. Et je n'ai pas choisi la musique. La musique m'a choisi. À 11-12 ans, j'étais déjà compositeur. La musique donc s'est imposée à moi. C'est-à-dire que quand j'écris, je n'écris pas par désir d'écrire, mais par nécessité intérieure d'écrire. J'ai pris le premier verset de la sourate 17, l'Isra. Donc, sur le voyage nocturne, très nourri par la littérature autre que la littérature coranique. Et au bout de 3 ans, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Ascension nocturne, pour violon seul, qui sont en fait le fruit de cette expérience intérieure. Je suis entré en islam, j'allais dire, par la voie royale. Lorsque j'ai prononcé ma shahada, ma profession de foi musulmane, c'était en présence de cinq chers, tous soufis, de contrées différentes. Donc je suis tombé dans l'universalité directement. Donc c'était pas une voix soufie en particulier, je pensais même pas soufisme à ce moment-là, je pensais islam plus que soufisme, et donc c'était naturellement dans un bain très, très varié, c'est-à-dire de traditions très variées. Et après les choses se sont affinées, après j'ai eu un maître spirituel, soufi, et là, évidemment, les choses se sont affinées au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je me considère, disons, comme soufi, dans la mesure où je suis héritier d'une tradition. Le poids des années n'empêche pas cet érudit qu'est Mahmoud Sami Ali d'immortaliser par la calligraphie la peinture, la poésie et les œuvres d'auteurs tels que Al-Alaj, Al-Mari, Ibn Arabi ou Al-Nifari. أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حللنا بدنا فإذا أبصرتني أبصرته فإذا أبصرته أبصرتنا. Pour moi, la calligraphie n'est pas du tout dessiner des versets de Coran parce que la calligraphie est liée au Coran.
On appelle parfois la calligraphie islamique ou calligraphie arabe. La calligraphie classique est prisonnière d'une tradition et la tradition veut qu'on calligraphie le Coran. Une fois qu'on a commencé comme ça, ça s'épuise. Moi, j'ai fait autre chose. Je me suis dit que le travail que j'ai fait est en rapport avec la peinture et la poésie. Je ne nie pas ma religion, mais je ne tire pas une source d'inspiration. Les poètes que j'ai traduits, Hallaj, Al-Mu'arri, Al-Arabi et Nefari, sont hors la loi par rapport à la société musulmane. L'empathie, c'est comprendre tout à fait l'autre, voir les choses avec les yeux de l'autre, sans pour autant s'identifier. Voilà, donc si vous voulez bien, on va vous passer la parole. Madame, allez-y. J'habite à Paris. Ceux qui habitent à Paris connaissent peut-être la porte de la chapelle, n'est-ce pas? Ça a commencé par « on va leur offrir du café ». Donc, je suis partie avec ma fille. Distribuer du café parce qu'il faisait froid. Et l'un des réfugiés prend son téléphone. Alors, au lieu de se précipiter pour boire du chocolat chaud, il a mis une torche pour que Leïla puisse remplir des gobelets et les distribuer. Mais il y avait avec moi des musulmans, des non-musulmans, et on n'était que des voisins. Ce n'était pas une association. C'était monsieur et madame tout le monde. Alors, voilà une partie des choses qui peuvent être faites par tout le monde. Qu'est-ce que la violence? La violence peut être individuelle, certes, mais la violence est aussi étatique. Combien d'États extrêmement puissants engendrent la violence, créent de la violence? Que faire? If you have followed the history, si vous suivez l'histoire de Hollywood, et même si on remonte au temps du film muet, l'image de l'arabo-musulman était caricaturée. Il y a beaucoup de films qui présentent ces arabo-musulmans comme des êtres néfastes, toujours le personnage du méchant. Au sein de cette organisation nommée UPF.TV, nous avons commencé à inverser cette tendance pour rendre l'image du musulman plus positive. Nous recherchons des histoires plus favorables aux musulmans et nous les produisons. Nous travaillons aussi avec Hollywood pour promouvoir une présence plus valorisante pour les personnages musulmans. Je suis une chercheuse indépendante, une consultante indépendante et je suis avocate. Je suis active dans le domaine des droits de l'homme, de la théologie et je coopère avec certains instituts comme la Ligue des Oulémas ou d'autres organismes ou ONG internationales. Je mène une recherche sur la religion et les droits de l'homme
Et j'interviens également dans les forums en relation avec la recherche et la science. Je suis une femme musulmane, soufie, et je trouve la tolérance, la coexistence, les droits, l'amour, la beauté et l'harmonie en islam. Et j'essaie de vivre dans cette voie. Au-delà du dogme, au-delà des autres pratiques, il y a un fond de la religion avec un R majuscule. Quand je parle, parce que nous, on considère qu'il y a une seule religion depuis Adam jusqu'à Mohammed, en passant par Abraham, par Jésus, par Moïse, parce qu'ils sont tous des frères. Ils sont venus de la même source de Dieu pour transmettre un message à tous leurs concitoyens, à tout leur peuple, pour leur dire « Je vous ai créé », c'est-à-dire la voix de Dieu. « Je vous ai créé parce que je vous ai aimé. Alors aimez-vous et vivez en paix. » Aujourd'hui, on a besoin de sages. On a besoin de gens sensés. On a besoin de personnes qui considèrent la gravité de la situation et contribuent vers une convergence de l'élément humain pour une unité, parce que finalement, c'est l'unité divine qu'on cherche tous. L'ordre auquel j'appartiens s'appelle Inayati. C'est une ramification de la confrérie Tishtiya, qui est, comme vous le savez, une tariqa soufi très populaire dans le subcontinent indo-pakistanais. L'ordre Inayati vient de Hadrat Inayat Khan, qui fut un enseignant indien soufi. En 1910, il est allé en Occident pour répandre la voix soufi. À travers les chants, les incantations, le dhikr et le sama qui célèbrent Dieu et le prophète Mohammed, les différentes confréries fusionnent pour témoigner de leur quête spirituelle commune. En général, quand la religion est présente en tant que politique publique dans un État, elle a tendance à oublier, à occulter cet aspect, disons, spirituel, pour insister surtout sur la religion comme gestion de la chose publique. Si aujourd'hui, on prétend représenter un courant qui représente la valeur, qui représente la morale, qui représente l'amour, qui représente l'humanisme. Nous devons contribuer à ces discussions dans la société. Nous devons prendre position. Nous devons aider. On ne prétend pas détenir la vérité. Nul ne la détient. Mais juste contribuer avec cette approche humaniste à humaniser la discussion, à apaiser les tensions et à rapprocher les gens. Parce que finalement, ce qu'ils font, c'est de la politique et nullement de la religion. De nos jours, les jeunes se sentent désorientés. Et justement, le rôle de ces confréries est de les amener vers un islam de tolérance, un islam de cohabitation avec autrui. Notre confrérie a parmi ses adeptes des jeunes qui donnent le bon exemple aux autres jeunes en dehors de la confrérie.
Nombreux sont ceux qui s'étonnent de voir la Tariqa Kadiriya Bouchichia rassembler des gens de différentes classes sociales, riches et pauvres, et de différents âges, jeunes et moins jeunes. Il y a une formidable diversité au sein de notre confrérie Bouchichia. Étant une femme, je dois dire qu'il n'est pas facile d'être acceptée comme guide spirituelle. Je voudrais que cet aspect change, parce que l'islam donne de magnifiques droits aux femmes. Je ne vois aucune sorte de misogynie dans l'islam, dans l'enseignement du Coran, ni dans celui du prophète. Paix et salut sur lui. En réalité, je vois l'islam donner du pouvoir à la femme, et il est important pour nous de reconnaître cet islam et le pratiquer. Oui, je le souhaite. Ces genres de rencontres devraient être beaucoup plus fréquents, soit ici, soit en Europe, soit dans le monde entier. Parce que dans l'histoire, les religions ont été parfois la cause de beaucoup de problèmes. Et le moment est arrivé que les religions doivent faire partie de la solution des problèmes et pas de la cause des problèmes. Ce que nous avons de vraies richesses à transmettre aujourd'hui, non pas pour imposer quelque chose au monde, loin de là, mais au contraire pour affirmer la diversité et la richesse de la diversité de nos cultures, de nos religions. Amadou Mpateba disait « Si tu es comme moi, tu es mon frère, mais si tu n'es pas comme moi, tu es deux fois mon frère, parce que tu m'apportes ce que je n'ai pas. » Et aujourd'hui, je pense que les sagesses du monde, les spiritualités doivent œuvrer ensemble pour apporter à chacun et à chacune des formes de sagesse, des formes de savoir et de connaissances qui nous élèvent et qui élèvent notre dignité humaine et finalement qui nous permettent de sortir de ce magma et de ces confusions que l'on voit aujourd'hui dans le monde et bien par le haut et par ce qu'il y a de plus beau et qui est porteur de sens. Sur la scène du festival, comme dans les dédales des ruelles de la Médina de Fès, les parfums, le brouhaha, les appels à la prière baignent la ville dans une ambiance qui invite à la paix et à l'élévation spirituelle. Moulay Idriss, le sage. Tous les sages ont dit de même. Le sage est une miséricorde pour le monde. Si tu cherches la sagesse, tu deviendras source de sagesse. Moulay Idriss, cœur vivant de la Médina de Fès, aux rues alambiquées, sinueuses, nombreuses, comme celles de la vie. Chaque chemin de Fès arrivera à ce cœur battant de la Médina. Moulay Idriss, entouré des effluves provenant des parfumeurs du quartier Attari. Gerekti bizlere Allah.